Wie is wereldkampioen? Ja, wel, wie had dat nu Sukkelaars daarachter. Zo'n grote renners en ze laten gewoon rijden. En in voorlaatste positie hebben we daar Frank van den Broeke gezien. Nee. Nee, vind ik echt ontgoochelend. Zulke grote renners die daar zitten en allemaal blijven gokken. Maar wat hebben we gezegd? In zo'n situatie moet vaak een outsider. Ja. Le jour après Verona, j'étais un homme perdu. Je ne savais plus où aller, je ne savais plus quoi faire de ma vie. J'étais avec Sarah, mais qu'est-ce que je devais faire? L'amener directement en Belgique? Non, je ne pense pas que c'était la meilleure solution. Rester en Italie? Je ne pensais pas non plus, puisque j'avais une fille en Belgique aussi, qui avait même pas encore un an. Je ne pouvais pas laisser Clotilde comme ça, sans explication, sans rien. Donc, je veux dire qu'on peut passer de star adulée à des moments complètement de recherche de soi-même et de même plus savoir comment faire pour gérer sa vie. Clotilde, elle l'avait vraiment difficile, mais je n'ai pas choisi de connaître Sarah. Elle est tombée comme ça dans ma vie et moi, je n'étais pas parti à la Vuelta pour connaître une femme. J'étais parti pratiquement pour en oublier une. Eén jaar later trouwen Sarah en Frank. Een prachtig stel, maar hun geluk is geen sprookje. Frank hervalt al gauw in zijn verslavingspatroon en winnen doet hij niet meer. Er is geen enkele voor mij aanwijzbare reden waarom dat met is fout gelopen. Echt waar het. Want tenslotte, als je bekijkt de mensen rondom hem, hij zelf had alles in handen. Hij had een goede ploeg, goede prestaties. Misschien op dat moment de keuze tussen Sarah en Clotilde. Maar tot daartoe, ik vond dat er geen enkele aanwijzbare reden was om naar beneden te rijden. Echt waar. Ik vind dat je van Van den Broek niet van een carrière kunt spreken. Voor mij geen carrière gehad. Ik vind De kwaliteit die Frank van den Broeke in zich gehad heeft, is in geen tiende naar voren gekomen. Hij had nu nog altijd moeten mee aan de top staan. Hij had moeten kunnen misschien podium halen, Tour de France. Vanaf 2000 is Van den Broeke een hoofdpersonage in tal van schandaalkronieken. Doping, gerechtelijke problemen enzovoort. De renner, de kampioen, verdwijnt helemaal uit beeld. Ondanks de geboorte van hun dochtertje Margot, staat de liefde van Frank en Sarah onder druk. Il y a tellement eu de choses dans ma vie, dans les 7 années avec elle, qui ont laissé des traces. Elle a eu beaucoup d'espérance, puisqu'elle mettait une énergie incroyable dans la reconquête de retrouver le Vandenbroek qu'elle a connu à la Vuelta 99. Donc c'était toujours pour elle aussi des énormes déceptions. C'était l'eau chaude et l'eau froide. C'était deux êtres qui s'adoraient, mais ils n'étaient pas faits pour vivre 365 jours par an ensemble. Ça, c'est sûr. Sarah m'a appelé 3 jours avant qu'elle parte et elle m'a dit, Bernard, je ne peux plus, donc je te laisse quand même mon téléphone, que même Franck n'aura pas. Si jamais il y a un gros problème, quel qu'il soit, n'hésite pas à m'appeler, mais pour la relation avec Franck, c'est un non définitif. Je pense que la chaîne est cassée de son côté. Je n'essaye pas de la convaincre non plus, puisque je n'ai pas essayé de la contacter ni rien du tout. Je la laisse. Ses dernières paroles ont été « Si tu nous aimes, laisse-nous tranquilles ». Donc c'est ce que je fais. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle est heureuse et je pense qu'elle espère aussi que moi je suis heureux parce que je suis sûr encore qu'elle m'aime encore. Ça, je pense être sûr encore parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un avec tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est impossible, donc je suis sûr qu'elle m'aime encore. Je me souviens.
souviens de cette Vuelta, de cette dernière semaine, qui sont pour moi comme hier. Et ça a été la semaine peut-être la plus magnifique de ma vie. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. C'est un peu un mix de sentiments, de déception aussi, de ne pas avoir pu le refaire. Ça n'a pas toujours été facile sur le plan psychologique, mais c'est en faisant des choses comme ça qu'on arrive à devenir mieux, plus grand, plus fort. Et c'est ça que j'essaye de faire maintenant dans ma vie. Je sais que c'est un processus de longue, longue date, mais chaque petit pas est une arrivée au sommet. Donc, je vois la vie comme ça maintenant.